qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, quand on était pas bon, on n'était pas à niveau. Et il y avait beaucoup de duels qui n'ont pas été à notre niveau habituel. Et alors là, automatiquement, on n'était pas bon. Si je jouais contre une équipe assez costaude en face, mais qui a beaucoup de qualité. Un bon Charleroi aujourd'hui, une première mi-temps assez compliquée avec une équipe qui vous bloquait pour marquer des buts. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Mais on n'avait pas de répondant à leur agressivité et aussi leur duel. Et souvent on perdait la balle dans le duel, mais ce qui me préoccupait un peu plus, que dans la construction du jeu, on n'était pas bon. On a des passes simples qui nous permettaient parfois d'éliminer une ligne ou créer des dangers, mais toutes ces simples passes-là, on les a ratées. Et parfois on donnait carrément le ballon à l'adversaire. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour le prochain match des améliorations prévues ou... Là, il faudra continuer à s'entraîner et chercher de s'améliorer. Il faudra maintenant oublier cette défaite et être conscient de quand on n'est pas à notre meilleur niveau qu'on peut battre par tout le monde. Mais il faut toujours croire en soi-même et croire qu'on peut gagner chaque match. Quelle était ta vision du match aujourd'hui? Ma vision de match, je savais qu'il m'attendait un match très difficile. On a travaillé aussi beaucoup à l'entraînement. Les joueurs, ils ont très bien travaillé toute la semaine, mais voilà. Tous les week-ends, ça se reproduit pas comme on avait prévu, parce qu'on a aussi apporté quelques changements tactiques au deuxième mi-temps. Ça n'a pas fonctionné. C'est fini maintenant. Ce qui était fait, fait. On ne sait plus aller en arrière. Maintenant, il faut regarder vers l'avant. L'avant, c'est lundi. Continuer à commencer la semaine de meilleure manière, continuer à travailler et aller chercher gagner les 3 points à tout bout. Aujourd'hui, une bonne ambiance des supporters qui ont été derrière vous jusqu'au bout, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je pense que c'est quand même formidable. Pendant tout le match, avant le match, même après le match, surtout après le match, voilà, on a perdu, mais les supporters nous ont demandé encore une fois. C'est la preuve vraiment que voilà, les gens sont 100% derrière nous. Ils sont fiers de nous et ils sont là pour nous aider. Ils sont exigeants, mais nous on sait bien, nous aussi on veut donner le meilleur de nous-mêmes. Et souvent ça nous arrive aussi, voilà, je ne dis pas, mais on va tout faire et on va se battre pour que ça nous arrive, que ça nous arrive plus. Merci pour l'interview. Merci à toi aussi. Merci.